Tu dois être tellement triste. T'as perdu ton père. Je ne l'ai pas perdu, mon père. Ils disent qu'il est mort. Un jour, on se reverra. Et pendant ce temps, toi, tu auras grandi. Et moi, je serai au Brésil. La police brésilienne n'a pas pu enquêter sur la zone. Bon, je vais pas te les faire à l'envers. Ta mère veut que tu viennes avec moi au Brésil pour accompagner le corps de ton... Oui, ça, j'avais compris. T'as envie de partir ? Oui, j'ai envie de partir. Quoi ? Pour soigner les malades mentaux en travaillant autour des rêves, c'est ça ? C'est complexe, tout ça, je peux pas trop t'expliquer. Alors, tu faisais quoi, là-bas ? J'étais chaman, moi, monsieur. J'étais responsable du théâtre. Toi, t'étais responsable ? T'as dépensé en une journée tous les sous que Patricia nous avait donnés. Ça va, c'est oh ! C'est comme ça que hey, t'es responsable ! Oh ! C'est qui t'a amené là, à l'autre bout du monde, merde ? Les autres, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tu aimes la nuit, Chelo ? Oui, j'aime bien la nuit. Je te demande pas si t'aimes bien la nuit, crétin. Je te demande, t'as déjà fait l'amour avec la nuit ? On fait comment pour faire l'amour à la nuit ? Mon père, tu le connaissais bien? Je connais son père. Cintilo. Et il s'est passé quoi? Antoine. Pergunte Antoine. Antoine sabe de tout. Tu n'as pas affronté ta plus grande frayeur. En rêve, tu ne fais pas partie de cette communauté. Tu es encore un enfant.